Le réalisateur iranien, établi en Suisse, Majid Nouri, a visité la ville de Revansar au Kurdistan iranien. Située à 55 km de Kirmashan, la capitale du canton, Revansar est, avec son joli lac, connu pour être la porte de la région de Hevraman. Le climat y est tempéré au printemps et en été. En hiver, il pleut et il neige. Revansar est entouré de plusieurs bourgades et villages, dont Sadiq Awa. L'équipe de tournage se rend dans ce village afin de rencontrer un musicien connu dans la région qui interprète des musiques traditionnelles. Un homme rentre chez lui. Il est plus ou moins indépendant, il connaît son chemin. Sa canne est son meilleur ami et son plus fidèle guide. Il est aveugle. Cet homme, c'est un grand musicien traditionnel. Il s'appelle Aziz Shemshaljen. Aziz Shemshaljen est né en 1957 dans le village de Sadiq Awa. À l'âge de 6 ans, il attrape la rougeole. Le manque d'argent, l'absence de dispensaire dans la région ne permettant pas de soigner correctement la maladie, il perdra la vue. Alors que les enfants du quartier jouaient dans la rue, lui restait seul à la maison. Il se sentait comme prisonnier. Au village, il y avait un musicien du nom de Dewana Sherzad qui jouait de temps en temps du shimshal, une sorte de flûte. À Jerajawe, le village voisin, Fatollah et d'autres musiciens ont été les éléments moteurs dans la passion naissante de Aziz. Ils lui ont redonné espoir et ont donné un nouvel éclairage à sa vie. Aziz a brisé les murs de désespoir qui l'entouraient. Il a commencé à écouter de la musique à chaque occasion qui s'offrait à lui et il s'est passionné pour le shimshal et le dezale, deux flûtes traditionnelles kurdes. À l'époque où Aziz commence à jouer de la musique, elle est encore très mal vue par les religieux. Les chanteurs et joueurs de dezale sont marginalisés et on leur prédit les pires châtiments dans l'autre monde. Souvent découragé par son père, qui ne croit pas en ses capacités, il ne baisse pas les bras, il a suffisamment confiance en lui pour continuer à apprendre. Il progresse petit à petit, il est d'abord connu dans son village, puis devient célèbre dans la région. Aujourd'hui, il a une riche expérience de ses instruments à air, le shimshal et le dezale. Souvent accompagné par des chanteurs de la région, il participe notamment à des émissions de radio et se produit dans de nombreuses fêtes. I am
Aziz est aussi poète. Il a écrit un poème qui raconte l'histoire de quatre poussins dont la mère est morte par manque de médicaments. Les poussins se retrouvent seuls face aux chats et aux autres animaux prédateurs. Cette fable n'est pas sans rappeler son propre parcours, puisqu'il a perdu la vue dans des circonstances similaires. Récemment marié, il vit chez ses parents. La musique constitue une partie de l'apport financier de la famille. Depuis qu'il a perdu la vue, il n'a jamais cessé d'espérer qu'avec le progrès de la médecine, il pourrait un jour retrouver toutes ses capacités. S'il connaît tous les airs populaires de la région, il compose aussi ses propres mélodies. Amoureux de la nature, il sort souvent à l'aide de sa canne et il joue en plein air, emporté par sa musique, en parfaite symbiose avec le ciel, les montagnes, les rivières. Il va sur son chemin, guidé par son ami de toujours, la musique.